que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être mon Christmas haul, donc mes cadeaux de Noël 2017. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Je suis désolée, je la sors maintenant. On est le 3 janvier 2018. Voilà, déjà je voulais tous vous souhaiter une très bonne année 2018. Cette vidéo, elle sort genre 2 semaines après Noël parce que au début en fait j'étais pas chez moi, donc j'ai pas pu la filmer. Puis entre temps je suis rentrée chez moi, puis je me suis dit que vous vouliez plus voir cette vidéo parce que c'était un petit peu tard quoi. Ça faisait déjà une semaine que Noël était passé. J'ai fait un sondage sur Instagram et apparemment ça plaît toujours à tout le monde, personne trouve ça trop tard, donc tant mieux. Du coup je vous la fais maintenant, cette vidéo cadeau de Noël. On va faire le petit disclaimer habituel. Je pense que vous vous doutez que je monte pas mes cadeaux pour me vanter de ce que j'ai eu, tout ça. Je les monte pour d'abord déjà vous faire plaisir. Je pense que moi comme beaucoup on est souvent curieux en fait, on veut souvent savoir ce que les autres ont eu. Par exemple j'ai aussi fait ma wishlist, donc comme ça vous allez pouvoir comparer entre ce que je voulais et ce que j'ai eu. J'ai eu entre temps quelques petites surprises, tout ça. Je remercie vraiment énormément toute ma famille de m'avoir gâtée à ce point. En plus ça pourra vous donner des idées parce que pas mal de mes articles pourront peut-être être soldés, sachant que les soldes ça commence maintenant dans une semaine à l'heure où va sortir cette vidéo. Avant ça je voulais vous demander en commentaire, est-ce que vous pourriez me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans mon prochain chit-chat Get Ready With Me. Donc je sais qu'il y a pas mal de questions qui reviennent souvent sur les réseaux sociaux, tout ça. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez que je parle de quelque chose en particulier dans mon chit-chat Get Ready With Me qui sortira bientôt je pense. En tout cas c'est tout pour l'intro. Tout d'abord en fait j'ai eu une montre Ozu. Je ferai des close-up après pour vous montrer les bijoux de plus près parce qu'ils sont vachement petits, j'arrive pas trop à faire le focus. En tout cas donc c'est une montre Ozu, il y a marqué Ozu Vintage, elle est comme ça, elle est assez fine comme ça, tout en métallique et argenté, donc c'est une montre que je voulais. Et comme en fait tous mes bijoux sont argentés, je préférais avoir une montre argentée, du coup je l'ai eu pour Noël de la part de ma mère. Toujours de la part de ma mère j'ai eu d'autres bijoux, donc j'ai eu un choker comme je voulais, du coup c'en est un Agatha. Il est trop joli, je l'ai pas mis non plus, je voulais attendre de vous le montrer. Mais franchement il est trop canon, je vous mettrai le close-up encore une fois. Il est super fin comme ça et donc il y a des lunes et des étoiles, je trouve trop joli. Ce choker en fait, je vous ai dit dans ma wishlist que je cherchais une sorte de choker comme ça en argent. Et c'est une abonnée qui m'a dit d'aller voir sur Agatha, elle m'a envoyé le lien et franchement trop joli. Je suis trop contente qu'elle m'a envoyé ça. Et voilà, trop joli, franchement ça va être le genre de bijou je pense que je vais porter genre tout le temps. J'ai ensuite une paire de boucles d'oreilles, j'aime beaucoup la forme, vous savez il y a eu pas mal de colliers dans cette forme, donc elles sont comme ceci. Vous verrez mieux de toute façon encore une fois dans le close-up. Mais voilà, elles sont super jolies, c'est de l'acier inoxydable, j'ai fait un deuxième trou, donc ça pourra faire plutôt joli sur le premier trou. Donc voilà, j'aime beaucoup, elles sont super jolies et toujours en argenté. J'ai reçu de la part de ma demi-sœur des petites boucles d'oreilles comme ceci, donc le problème c'est que j'en ai cassé une, donc je suis un petit peu deck en fait. Enfin je sais pas comment ça se fait, je l'ai retrouvée par terre cassée chez moi, la deuxième, donc je suis un petit peu triste, mais elles étaient super jolies. Et voilà, vous verrez mieux encore une fois dans le close-up. De la part de mon petit frère, j'ai reçu un coffret beauté de Yves Rocher. Du coup, c'est le coffret bain des merveilles. Donc il y a 3 produits dedans. Du coup, d'abord, il y avait un bain-douche. Donc ça, c'est cool pour sous la douche. Puis en plus, ça sent trop bon, ça va sentir bien Noël et tout. Et ensuite, j'ai eu aussi un gel pour les mains, vous savez, genre pour se laver les mains au robinet. Donc ça, c'est top. Et après j'ai eu aussi une crème pour les mains, donc ça c'est parfait, je vais pouvoir la mettre dans mon sac à main. Elle est assez grande donc c'est super cool pour la garder longtemps et toujours. Bain des merveilles Marvelous Berries. Donc voilà, je sais pas c'est à quel goût. Au B. Ah, depuis d'ailleurs je dis bain des merveilles, non c'est au B des merveilles. J'ai un peu du mal à parler, je suis désolée parce qu'en fait j'ai décidé la deuxième semaine là de rester chez moi tranquille, de me reposer et tout. Ensuite j'ai également reçu un coffret de parfum Hollister. Donc ça je suis trop contente d'Hollister, je sais pas si vous le savez, mais c'est une marque que j'aime énormément. Après j'en ai pas vers chez moi. Donc là j'ai reçu un coffret avec un parfum pour femme et la crème pour le corps quoi. C'est Hollister California Wave. C'est une odeur assez fraîche je trouve, plus pour cet été que pour maintenant. Mais ça sent vraiment très bon, c'est une odeur assez forte, assez féminine mais vraiment très forte. Et donc pour cet été je trouve ça plutôt sympa. De la part de mon papa j'ai reçu 2 produits Zoeva, donc ça j'étais trop contente. Donc d'abord j'ai eu une trousse avec des pinceaux comme je vous avais dit. Donc il faut que je lave les pinceaux, j'ai déjà commencé à les utiliser pour la plupart. J'avais 8 pinceaux, soit pour le teint, celui-ci, il y en a un comme ça que j'ai pas encore utilisé. Celui-ci pour l'highlighter, bah, c'est un pinceau pour les sourcils et il y a 4 pinceaux pour les yeux aussi. Donc voilà, trop bien. J'avais vraiment envie d'acheter des pinceaux Zoeva depuis super longtemps, donc là je suis trop contente. En plus la trousse est vraiment magnifique, donc là c'est top. Franchement voilà, trop contente. Et j'ai également reçu aussi une palette, donc ça je suis trop contente. Bon après je l'ai choisie, mais voilà, je l'aime trop. Par contre juste le packaging il est magnifique, mais il a déjà pris énormément
de traces partout, donc c'est un petit peu dommage. Donc c'est la matte Spectrum, et voilà, en fait vous allez voir, elle est trop belle. En fait j'adore les couleurs, donc c'est que des mattes. Et bah déjà là, toutes ces couleurs là trop jolies, ces couleurs là trop jolies, et ça, ça va me permettre peut-être, surtout le violet qui est là, à faire un petit peu des maquillages un peu différents. J'aime beaucoup les kakis, là je trouve que ça peut faire des maquillages vraiment que j'ai pas l'habitude de porter, ayant les yeux bleus. Donc, merde, ce sont ces couleurs qui vont le mieux pour faire ressortir ma couleur, donc ça c'est trop cool parce qu'il y en a pas mal. Voilà, c'est une palette qui m'intéressait pas spécialement depuis longtemps. Puis en fait quand je l'ai vue sur le site Sephora, je sais pas, elle m'a trop intéressée, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Puis voilà, j'avais pas autant de mattes comme ça, de couleurs différentes. Donc c'est top, je suis trop contente. Et désolée si je regarde dans le retour caméra, c'est pour voir si vous voyez bien les couleurs. Donc ça, elle est top, et à la limite je vous ferai peut-être un maquillage avec dans le Get Ready With Me Chit Chat. En fait, vous êtes pas vraiment au courant de ce que je fais au niveau de mes études, ça je vous en parlerai dans mon Chit Chat Get Ready With Me justement. Mais j'ai reçu deux livres par rapport à mes études, enfin par rapport à ce que j'aimerais faire l'an prochain. Du coup c'est deux livres par rapport à l'architecture. Donc deux livres qui m'expliquent en fait tous les courants, pas mal de choses techniques, qui s'appellent Les Grandes Idées qui ont révolutionné l'architecture. Donc ça c'est cool à lire, plus pour m'instruire. Et après celui-là c'est plus pour me divertir, tout ça, et puis que je prenne un petit peu en technique au niveau du dessin. C'est un cahier d'architecture, et donc ça c'est cool. Par exemple d'un côté on monte des sièges, et de l'autre côté en fait il faut que je les refasse en m'inspirant un petit peu de ce qui est là, mais plus inventé. Donc c'est cool. Par exemple là il y a une maison, et en fait de l'autre côté ça va être à moi de le dessiner. Donc voilà, c'est super intéressant, apprendre un petit peu à dessiner et puis m'exprimer. Donc de la part de ma maman, j'ai eu une petite déco assez mignonne à accrocher par exemple à la porte ou quoi. C'est un petit truc en bois naturel, tout ça. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve vraiment que sur la porte ça pourra faire super joli. Donc voilà, c'est une petite déco, il y a marqué homme dessus. Faut que je coupe, mais il y a eu un petit problème là. Mais j'ai reçu une petite pochette, donc moi qui va me servir soit de pochette, vous savez, pour mettre du maquillage, tout ça, quand on va en cours, dans son sac à main, soit pour mettre mes affaires de cours. Là pour l'instant il y a mes affaires de cours. Donc c'est une petite pochette Mila Louise, elle est super jolie, argentée et marron comme ça, j'aime beaucoup, elle est trop belle. D'ailleurs elle est grise, et à l'intérieur elle est à poids comme ça, donc voilà, elle est magnifique cette petite pochette. Moi je collectionne de fou les petites pochettes. Donc un de mes plus gros cadeaux du coup, ce sont mes Uggs. Donc j'ai eu des Uggs kaki. Donc kaki, ça peut paraître un petit peu original, il n'y a pas grand monde qui les ont, mais moi je les trouve vraiment très très belles avec une tenue toute noire, ça fait super joli. Elles ressortent plus foncées à la caméra, j'ai l'impression. Et voilà, elles sont très très belles. Elles sont comme ceci, avec le bas marron comme ça, j'aime beaucoup. Et voilà, après c'est des Uggs assez basiques. Ensuite j'ai reçu une petite surprise de ma maman. Trop contente. Donc en fait je suis fan de popcorn, mais vraiment c'est un truc de fou, genre j'aime trop les popcorn, c'est un truc de fou. Et donc en fait de la part de ma maman, elle m'a acheté une petite machine à popcorn. Donc je sais pas si vous allez la voir. Donc en fait elle m'a acheté une petite machine à popcorn, elle est vraiment toute petite, elle fait cette taille. Et en fait vous posez du maïs dedans, ça fait du popcorn quoi. Et après je les mets dans géant pot à popcorn comme il y a dans les cinémas aux États-Unis. Et voilà, donc ça je suis trop contente, j'étais trop trop contente de cette petite surprise. Un autre cadeau pareil, surprise de ma maman, du coup c'est un petit plateau comme ceci. Donc c'est un petit plateau en bois, tout ce qu'il y a de plus simple juste. J'étais contente qu'elle m'offre ça parce qu'en fait il y a des petits pieds, je sais pas si vous pouvez voir comme ça, que vous pouvez du coup au final mettre sur votre lit pour manger, tout ça. Donc moi j'aime énormément manger des fois quand je suis malade dans mon lit, des pâtes ou en bouillon, tout ça, ou alors prendre le petit déjeuner le dimanche dans mon lit. Donc voilà, ça j'étais trop contente. Et donc mon dernier cadeau, et ça c'est vraiment mon cadeau préféré, c'est de la part de mon chéri, vraiment je le remercierai jamais assez parce que j'étais trop contente qu'il m'offre ça. Du coup c'est le sac que je voulais de la marque Louis Jo. Donc il est comme ceci, franchement je vais galérer à vous le montrer. Donc on voit un peu mieux, donc c'est un sac comme ceci de la marque Louis Jo. Il a pas mal de poches, donc il est assez grand, donc pour les cours ça va, mais comme il est pas mal rigide, je vais pas pouvoir prendre autant de bordel que je prends d'habitude. Donc les hanches elles sont un petit peu tressées comme vous pouvez voir. Là il y a des les attaches comme ça, elles sont trop belles avec marqué Louis Jo là en or. Donc il y a pas mal de poches, vous avez une poche là et la grande poche du milieu. À l'intérieur, j'ai déjà mis des affaires, mais là il y a une petite poche et là il y a une autre petite poche. Donc voilà, franchement ce sac est au top, vous pouvez l'accrocher là comme ça. Plus par les côtés on peut l'accrocher aussi. Et pareil, il y a des attaches pour mettre les anses ici, si vous voulez mettre genre vous voyez une grande anse. Franchement il est trop trop canon, ça c'est vraiment mon bébé de chez bébé. Je l'aime trop, je remercierai jamais autant assez mon chéri pour ça. C'est assez classe comme ça qu'en fait, ça donne pas du tout un aspect cheap à votre tenue, ça donne vraiment un aspect assez classe, et c'est ça que j'aime beaucoup. Du coup voilà tout le monde, c'est tout mes cadeaux de Noël. Je pense que j'ai parlé pendant 1000 ans
pour dire tout et n'importe quoi. J'ai vraiment parlé beaucoup, j'ai l'impression, donc il va falloir qu'au montage je fasse pas mal de coupures. Mais c'est parce que je me sens un petit peu malade là, donc en fait je sais pas, je parle, mais je dis n'importe quoi. Alors je répète les phrases pendant 5 fois à chaque fois. Surtout, n'oubliez surtout pas que je sors une vidéo chaque mercredi, et vraiment je fais grave attention de les sortir chaque mercredi. J'ai dû louper une ou deux fois depuis septembre, même si je les sortais, je les ai sortis le mercredi. En tout cas, je vous fais de gros gros bisous encore une fois, je vous dis merci pour tous ces abonnements, et encore une fois, bonne année 2018. On se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.